On a du gameplay d'Adapitis en plein live. Est-ce des aliens? Est-ce une navette spatiale? Est-ce que c'est Independence Day? Sommes-nous en train dans Mars Attack? Est-ce un Kistrick? Est-ce le mastodonte? Qui sait, mesdames et messieurs, nous sommes hype. Laissez-moi des pauses bleues. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, de cette analyse incroyable qu'on vient de faire ensemble. Il se passe des choses dans ce trailer. Installez-vous, sans plus attendre, il est l'heure que vous en appreniez un petit peu plus sur Battlefield 6. Hashtag ad ou même pas, les gars. This is the question, les gars. Peut-être que Battlefield ont décidé de collaborer avec le meilleur sniper de tout le monde entier, tu vois. Donc là, on a eu ce tweet, mesdames et messieurs. Donc là, ce qui est bien, les gars, c'est que déjà, on voit qu'ils ont décidé de prendre un thème quasiment moderne, futuristique. Donc on sait que toute cette deuxième guerre mondiale, première guerre mondiale, c'est fini et plus jamais personne n'exploitera cette merde, ça pue la merde. Je ne veux plus voir un seul jeu sur la deuxième première guerre mondiale, je ne veux plus en voir. C'est bon les boomers nostalgiques, on a fait le débarquement en Normandie, combien de fois là? Combien de fois il faut qu'on le fasse? Et là les gars, il y a un trailer qui a leak les gars et c'est sur YouTube. Donc là c'est un mec qui a pris le trailer qui a leak et qui a décortiqué image par image. Donc on va en apprendre un petit peu plus sur le jeu. Moi je suis extrêmement hype. Ça c'est mes deux maisons préférées hein. N'hésitez pas à hashtag AD. Les gars, parlons de moi, parlons du meilleur joueur de Battlefield au monde. Est-ce que je dois vous rappeler les exploits que j'ai fait sur ma chaîne YouTube? Est-ce que je dois vous rappeler, mesdames et messieurs, tout ce qu'on a fait quand je regarde ma chaîne YouTube et que je regarde les vidéos les plus populaires? C'est du Battle... C'est du Battlefield. BF4, 106 Recon Kills, oblitération. Et ça, c'était il y a 7 ans, les gars. Il y a 7 ans. Et attendez, il faut que je navigue entre les nanas là. Celle-là, opération teamplay, AC130, même pas un titre putaclic. 1 million de vues, vous vous rappelez pas, vous n'étiez pas nés les gars, vous n'étiez pas nés. Tout ça c'est moi, le sound design, tout ça, tu vois les monteurs? Tu vois les monteurs comment ils sont en PLS quand ils voient ça? Ils sont là en mode, mais comment il a fait? Oh là là, il est trop fort. Je vais surveiller quand même l'avion mec hein. On surveille hein, entre les rechargements. La voix n'a pas changé, le trailer n'a pas changé, le pseudo n'a pas changé, le skin n'a pas changé. Le meilleur joueur de Battlefield, en même temps je jouais 12 à 15 heures par jour. Donc voilà, j'étais le boss du game quoi, j'étais le meilleur. Et là on va observer le futur Battlefield. J'espère, mesdames et messieurs, qu'il ne sera pas comme BF4. Car le sniping de BF4, mesdames et messieurs, était un peu... C'était un peu compliqué. Quand je vise celui de droite et que je tue celui de gauche, c'était inadmissible. Je vous le dis en toute transparence, les gars. Cette vidéo a fait que je me suis fait blacklist. C'est l'époque où j'ai littéralement arrêté YouTube parce que ce jeu m'avait dégoûté, tu vois. Quand tu vois un truc comme ça, donc j'étais obligé de faire une vidéo. En plus, j'ai fait vraiment une petite vidéo stylée, tu vois, en mode voilà, là je suis debout, là je suis accroupi. C'est pour montrer en fait à tous les rageux. C'est que des faits ici, y'a pas de narcissisme, y'a pas d'éco-centrie, c'est que des faits. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais assez déçu parce que Battlefield c'était quand même mon jeu préféré. À mon avis, aujourd'hui, tu vois, grâce à Fortnite Warzone, ils ont vu ça, ils l'ont vu. Mais Cold War, attends, si vous voulez dire sur Cold War, Cold War c'est un move de génie, ok? C'est le pire Call of Duty qui a jamais existé. J'adore le mode zombie. Et Dieu merci à Warzone, tu vois. Ils copie-collent. Tu sais, ils font, tu vois le code là pour iOS? Et bah tu le prends et tu le mets sur PC et console. Là t'as le dev, il fait, mais c'est pas possible, on peut pas faire ça. T'es viré, ok, il y a un autre dev, il a envie de le faire. Oui, moi je veux le faire, moi je suis stagiaire. Je l'ai fait pour 700 euros. Bravo, t'es embauché, allez viens vite. Donc voilà, à mon avis, genre Cold War ça a été un peu fait comme ça, mais le coup de génie, il s'est quand même grave bien vendu parce que ils l'ont intégré à Warzone. C'est du génie. Ils ont même fait en sorte que les armes de Cold War soient meilleures sur Warzone. Et donc pourquoi je parle de Warzone, c'est parce que là on va parler de Battlefield 6. Tout ça, tout ce que je viens de vous raconter sur le meilleur Avenger, sur moi le plus fort, ça va peut-être faire le meilleur Battle Royale de la planète. Et c'est possible, ok? Et moi je pense que Electronic Arts, quand je vois Apex, je pense qu'ils peuvent le faire. Warzone n'est pas fait pour être sur code. Warzone a été fait et a été totalement étudié pour un Battlefield. Les grandes maps, les grands trucs, ça n'a jamais été Call of Duty. Ça a toujours été Battlefield. Les véhicules, les squads, les raids, toutes les mécaniques de Warzone sont des mécaniques de Battlefield. Il n'y a que le gameplay qui fait que c'est code. Franchement mec, moi j'adore Warzone hein, quand même. Donc je lui donne quand même du crédit. Mais je pense que sur un Battlefield, je pense que c'est dans le mille. Et on va voir. J'ai cru entendre dire dans les journaux, etc., qu'ils vont sortir le jeu pendant un an et il n'y aura pas encore le mode Warzone.
Et ça, c'est encore une fois un move de génie, mais c'est trop chiant, tu vois. Le dernier code, là, l'avant-dernier code, personne savait qu'il y allait avoir un Warzone. Personne n'avait acheté le jeu. Mais là, les gars, sur Battlefield, tout le monde va l'acheter parce que tout le monde sait qu'il y aura le Warzone de Battlefield dans un an. Vraiment, ils ont ça, Electronic Arts. Il est l'heure d'observer un peu des leaks. Et honnêtement, je suis hypé sa mère. Donc là, en fait, et le mec, là, il a décortiqué les screenshots. Donc ça c'est très très bien parce que tu sais à la base le truc il a leak mais c'est assez tangent, on voit rien. Mais là on peut voir l'hélicoptère moderne. Ça y est, c'est plié. Là on va enfin parler d'un vrai Battlefield, tu vois. Un truc, j'espère, de fou, tu vois. Ça c'est un hélicoptère Osprey les gars. Trop fan. Peut-être que même ça c'est déjà le Battle Royale, qui sait. Ça se trouve que ça c'est ce qui te dépose ou qui te parachute. Qui c'est, mesdames et messieurs? Donc là, vous voyez, ça se trouve, ça, c'est le Battle Royale. Ça, quand on voit cette île, elle nous rappelle beaucoup Wake, mais en 1000 fois plus grand. Ça se trouve que Wake, ce sera la première map, et c'est ma map préférée aussi sur Battlefield. Ça se trouve, ce sera la première map Warzone de Battlefield, les gars, mais en beaucoup plus grand. Ce serait grave stylé. Il est très important, ce screenshot. Pourquoi j'ai envie de passer du temps dessus? Parce que là, on parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 Osprey hélicoptère. Ça transporte jusqu'à 20 à 30, ok. Donc 20 à 30 unités, tu vois. Donc là, tu vois, je sors ma meilleure calculatrice. 20 x 6, 120 personnes. Donc on sait déjà qu'on est quasiment sur le même délire que un Battlefield qui est à 128 joueurs. C'est intéressant quand même. Là on voit une énorme roquette décoller au bout. Alors ça les gars, comme on l'avait vu dans BF4, tu sais, ils avaient fait des maps évolutives. Un joli essai, je leur donne. Mais bon, pas franchement concluant. Putain, je parle comme un... Oh là là, hé les gars, je parle comme un artiste. Pas franchement concluant. Avant je disais, putain ça pue la merde. Peut-être que c'est juste l'animation de base pour une map classique. Continuons sur le prochain screenshot. Ça je vais vous dire ce que c'est. Ça c'est une drone. Et peut-être que l'aspect drone va être, vu que c'est guerre moderne, etc., ça va être incroyable. Peut-être un truc que tu conduis, peut-être un truc que tu pilotes à distance, comme le Recon dans BF3 d'ailleurs, qui était trop cool, tu vois. Et là, on peut voir même mieux, c'est un chien drone. Un chien drone, c'est quoi? Voilà. Donc ça, les gars, il est très fort probable que ce soit ça. Genre, tu peux transporter des munitions avec et le truc te suit. Ça peut être très intéressant. Ça s'appelle une mule. Ça se trouve, ce sera ça. Et ça se trouve, ce sera insane. Est-ce que c'est un killstreak? Un truc que le commandant te balance? Donc c'est peut-être cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, les gars, là, sur un screenshot comme ça, on voit un hélicoptère Apache AH-14, Apache AH-74. Les gars, une dinguerie. Avec les deux personnes à l'intérieur, c'est Battlefield, les gars. T'as le gunner à la tourelle en bas et le mec qui pilote et qui envoie les roquettes. C'est trop stylé. Et là, ça confirme à 1000%, c'est une guerre moderne, futuristique, ok? J'ai vraiment hâte. Et là, on peut voir un peu la tête d'un soldat, les gars, d'un casque un peu à la Halo ou un petit peu très moderne, très très moderne, complètement caché en mode Spartan et tout. Trop stylé, j'ai vraiment hâte. Peut-être des skins, peut-être une classe spécifique, un sniper avec la moumoute. Tu vois, qu'est-ce qu'il fout avec une moumoute ou ce truc-là, ce collier-là? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Qu'est-ce qu'il fait avec autant d'équipements sur une plage, les gars, où il fait 40 degrés, où t'es supposé faire bronzette, tu vois? Est-ce un killstreak? Est-ce le mastodonte? Qui sait, mesdames et messieurs, nous sommes hype. Donc on se pose plein de questions ici, on se pose plein de questions. Là, on va passer à la suivante. Donc là, on peut voir un espèce de robot. Un homme insecte. Là, il a une queue. Peut-être même des aliens. Qui sait, mesdames et messieurs? Mais ça se trouve, il y aura des aliens dans ce BF6. On sait pas trop pourquoi cet hélicoptère tombe. Mais il se fait avoir par un truc. Et là, il s'écrase, boum. Et on peut voir plein de gens armés qui courent dans l'autre direction, qui veulent éviter de se faire écraser. C'est assez compliqué à voir, tu vois. Et là, les gars, on reprend une interface déjà beaucoup plus plaisante à l'œil. Beaucoup plus BF3 ici, beaucoup plus Battlefield. Là, mesdames et messieurs, on a les roquettes, on a le gun, on a d'autres types de roquettes et d'autres types de roquettes. T'as 4 armes dans ton hélicoptère. Donc t'as les flares ici en rechargement. Ça, c'est les grosses roquettes JDAM téléguidées, tu vois. Et ça, c'est les roquettes classiques qui vont tout droit. Là, on peut voir sur la mini-carte ici, une carte. Et là, ces petits avions ici, qui sont probablement juste des fragments en fait de la fusée qui est en train de décoller. Ça, je sais que c'est un avion. Donc, il est loqué. Donc, l'avion est loqué avec ses missiles ici téléguidés. Mais ici, il y a quelque chose, les gars. Il y a quelque chose. Est-ce une drone? Est-ce des aliens? Est-ce une navette spatiale? Est-ce que c'est Independence Day? Sommes-nous en train dans Mars Attack? Il se passe beaucoup de choses sur cette image. Beaucoup de choses. Peut-être, voilà, là on a encore cette fusée. Donc, on focus énormément sur cette fusée. Qu'est-ce qui se passe avec cette fusée? Est-ce qu'on va aller se battre dans l'espace? Est-ce que
la première mission, c'est de prendre le contrôle de la fusée pour ensuite aller se battre dans l'espace. Ça se trouve, on va même se battre sur Mars. Et on va définitivement pas aller sur Mars. La fusée s'est écrasée. La fusée n'a même pas décollé. Pourquoi la fusée n'a pas décollé? Peut-être qu'elle s'est fait empêcher. Peut-être qu'il y a encore un moyen d'empêcher la fusée de décoller. Là, on peut voir encore cette fusée avec un soldat d'élite, avec un casque complètement recouvert, le même que tout à l'heure, avec un espèce de sac à dos bizarre. Il se passe des choses dans ce trailer. Voilà. Et là les gars, ça va être de la folie. Je suis plus en plus hype les gars par ce jeu. Ça va être une dinguerie. Mais en tout cas, je crois qu'on a bien analysé les gars. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez kiffé. Laissez-moi des commentaires, laissez-moi des pouces bleus, follow sur Twitter, follow sur Instagram, follow TikTok, tout ça là. Lien dans la description, mesdames et messieurs, cliquez sur tous les liens. Merci à tous et à la prochaine sur la prochaine vidéo YouTube, mesdames et messieurs. Regardez-moi ce YouTuber. Hein ? Hein ? On n'est pas là pour faire du YouTube ou pas ?